le ministre qui est en train d'intervenir pour l'exploitation des minerais, notamment le parc national de Kahoussiké. Il dit clair et net, honorable président, qu'il s'agit de la présidence. Je suis curieux, honorable président, de l'entendre le répéter devant la représentation provinciale pour qu'à notre tour, nous puissions écrire officiellement à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la province du Sud Kivu ne pourra pas accepter qu'il se fasse une exploitation des minerais dans le parc national de Kahoussiké. Je l'ai répété, honorable président, qu'il s'agit d'un patrimoine mondial. Aujourd'hui, honorable président, on peut rire de ces audios, mais le monde entier nous regarde et on saura quelle sera l'attitude des honorables députés à l'issue de la présente séance. Je voudrais, honorable président, avec votre permission, non pas faire entendre l'audio avec le collaborateur du ministre, mais plutôt l'audio de l'intervention des militaires dans le site minier, notamment dans le parc. Vous comprendrez donc la corrélation entre l'intervention du ministre et même l'intervention de ce colonel. Et j'ai appris, honorable président, que ce colonel serait aux arrêts. Mais jusque-là, honorable président, le ministre, il est ministre. Tout ministre qu'il est, il se promène sans la moindre sanction, même pas de l'Assemblée provinciale. Je voudrais donc, honorable président, vous faire entendre combien le colonel est également intervenu, ce qui démontre sans embâche des militaires dans des situations. Ce pays ne sera pas géré par les WhatsApp. Je suis un peu indigné de voir que partout on m'interpelle, madame, gouvernorat, assemblée, à cause de WhatsApp. Oui, c'est difficile. S'agissant des jeunes, votre ministre n'a aucune responsabilité dans ce problème. Moi, j'ai sauté du conseil des ministres, j'ai vu les chefs de protocole, Magueza, Papi, Mabondi. Il m'a présenté le monsieur, il me dit, ce monsieur vient de la présidence. Et il vient parce que il y a des investisseurs qui vont venir d'Allemagne. Si vous voyez le protocole du chef, vous parlez comme ça. Mais vous allez refuser. Moi, je lui ai dit, comme j'étais fatigué, venez à mon bureau, je vais voir ce que je peux faire. Ce que je peux faire. Il est passé à mon bureau, il m'a demandé d'aller chercher des échantillons, d'abord à Kabale et à Calais. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Arrivé là-bas, il s'est fait accompagner, comme il ne connaissait pas bien la région, de trois personnes. Puis il est rentré à Goma. Et de Goma, il me téléphone, il me dit, on a arrêté les amis qui m'avaient accompagné. J'ai dit pourquoi. Il me dit non, c'est l'administrateur du territoire qui les a arrêtés. J'ai dit, donne-moi le numéro de l'administrateur du territoire. Moi, je ne l'avais pas. Je vais téléphoner. J'ai téléphoné l'administrateur du territoire. L'administrateur du territoire me dit non, ça ce sont des prisonniers du rétor. C'est ainsi que moi je lui ai dit. Moi pour moi, je sais que le rétor c'est pour la sécurité de la province et la sécurité du pays. Mais quand il arrête les graisseurs, il doit me donner les informations parce que le gouvernement et les services de sécurité c'est complet. Je pense qu'on devrait les amener ici. À Bukavu, et moi j'allais mener les enquêtes. Mais des jours après, et c'est ce qui est scandaleux, j'ai vu une invitation du rétor. Quelqu'un qui demandait l'audience, moi je me disais, moi je traite avec les gens qui viennent pour les mines, comment, quelqu'un vient faire la nuit. Il a insisté, j'ai demandé qu'il puisse entrer parce qu'il avait beaucoup à faire. Et il m'a dit, cette invitation, le rétor m'a dit que je ne vais pas rentrer sans toi. Alors moi j'ai dit, c'est l'enlèvement ou qu'est-ce que c'est? Moi aussi, je lui ai dit,
Je ne peux pas partir sans l'autorisation de mon chef, qui est le gouverneur. J'ai téléphoné le gouverneur. Le gouverneur m'a dit, allez-y, au retour, vous allez me dire de quoi il s'agit. Je suis parti là-bas, j'ai rencontré les rebelles avec son entourage. Il m'a dit, toi, tu es des bandes armées et tu as des exploitations dans le parc de Kaouzibé, dans un endroit qui s'appelle Katasso. Ça se trouve en territoire de Calais. Moi, je lui ai dit, depuis ma naissance, je n'ai jamais été à Katasso. Et je n'ai pas de bandes armées et je n'ai pas des exploitations. Si vous servez de sécurité, vous vous êtes rendu là-bas, vous avez vu les exploitations, vous avez demandé la production mensuelle, qui achète cette production et on l'amène chez Boulimbi, donnez-moi les prêts. Finalement, la femme qui m'interrogeait était un peu gênée et elle m'a posé la question de savoir si je pouvais répondre aux autres. J'ai dit ok, m'a présenté le premier audio, j'ai entendu une voix qui semblait un peu, un français qui semblait un peu au pays voisin. Moi j'ai dit, ça ne concerne que celui qui a fait le Dieu, ça ne me concerne rien. Et puis, elle est partie. Elle m'a amené maintenant l'autre audio où que, l'honorable a présenté là-bas. J'ai compris que c'était moi. Moi, je lui dis, dans cet audio-là, qu'est-ce que j'ai fait du mal? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? J'ai dit que dans les mines, c'est moi le patron. Le réseau, c'est pour la sécurité de la province et du pays. Il m'a arrêté, je dirais, de 13h jusqu'à 18h. Il m'a relâché. Comme le gouverneur m'a dit, mais ce qui m'avait scandalisé, c'est quoi? J'étais ministre dans le gouvernement du Chambre. On m'avait arrêté pendant que j'étais déjà ministre honoraire à l'année. Mais le gouverneur a téléphoné Calais pour qu'on ne puisse pas toucher à mon corps. Mais ici, je suis membre du gouvernement. Je suis arrêté par un rebond. Le gouvernement n'a pas réussi.
qu'il a été l'aventurier, je lui avais dit, quand il était venu à Bukavu, je l'avais recommandé auprès du Redo que général Bob. Mais maintenant, les deux ont été mutés. Mais maintenant, il a fait des choses sans m'avertir. Je lui ai posé plusieurs questions. C'est-à-dire que vous les connaissez. Il m'a dit oui. On les connaît, mais il n'est pas civil. Et puis, je lui ai posé la question. Est-ce qu'à Kinshasa, vous l'aviez reçu? Il m'a dit oui, on avait reçu une femme et après, il a fait des aventures. Moi, j'ai compris quand même. Et puis, quand on dit présidence, même si les juristes sont en train d'exagérer pour dire, j'ai entendu ici que j'ai parlé de Chichi. Il faut semblant de ne pas savoir qu'à la présidence, mon fils est conseiller du président. Et à la présidence, il y a plus de 2000 personnes. Et dans la loi, il n'y a rien qui dit que quelqu'un qui est à la présidence ne peut pas faire les lignes. Absolue, les membres composant l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire qu'il fallait avoir 25. Mais nous avons 24. Merci le ministre de l'Est. Monsieur le ministre, dans vos réponses, ça n'a pas été questionnement. Il y avait aussi des recommandations que vous voulez écouter. Qu'est-ce que ça va apporter ou bien changer dans la réalisation de votre politique? Les recommandations, je vais en tenir compte. On m'a posé, je pense, plus d'un certain nombre de questions. Ce qui n'est pas facile aussi, une seule personne, faire un discours et répondre à une centaine de questions. J'espère, moi j'ai toujours considéré, moi je suis nationaliste, j'ai toujours considéré que tout ce qui arrive, c'est Dieu. Et des fois on dit en français, Dieu tire le bien du mal. Vous pouvez me vouloir du mal, je suis Dieu avec moi. J'essaierai de trouver, je vais trouver. Quand on a une fois, on a comme la démocratie, on a une fois. On a une fois pour une émotion, on a une fois. Na mie kujibia ni kawaida. Ile njo nguvu ya demokrasia. Nguvu ya demokrasia ni kusema. Sio bote, tutafanya demokrasia lakini tutafanya en sorte que tusikie kama si bote tuko bakongomani. Tusikie kama si bote province ni yetu. Tusikie kama si bote Kongo ni yetu. Tuungane mkono kusudi province yetu na Kongo ijidevelope. Vale.